Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless. Sur ma chaîne, je parle de décoration intérieure, d'entretien de la maison, d'organisation. Je partage aussi des recettes de cuisine. Si vous pensez que vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, on va aborder le sujet du jour qui est le rangement de mon mudroom. Alors, le mudroom, j'ai pas trouvé de traduction en français, mais en général en Amérique du Nord, le mudroom c'est une petite pièce de la maison qui se situe à côté du garage. Donc, quand vous sortez ou vous rentrez de votre garage, vous laissez vos chaussures, la saleté des chaussures, les manteaux, en fait, tout traîne. Donc, c'est à peu près ça, le mudroom. Et c'est un endroit qui se salit très vite, qui est difficile d'entretien parce qu'on a tendance à jeter nos chaussures un peu partout. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de réorganiser. Ça fait plusieurs fois que j'organise. Et cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne et que j'ai trouvé la bonne combinaison. Donc, voilà, je vais vous montrer comment j'ai encore organisé mon mudroom. Donc, la première phase, c'est d'abord de tout nettoyer. J'ai demandé aux enfants de faire une purge, donc des chaussures qu'ils ne portent plus, des manteaux qu'ils ne portent plus, de vider. Il y avait même des ballons de basket. Donc, on a fait la purge, on a tout nettoyé. Voilà ce que ça donne. En tout cas, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça aussi vide et aussi propre. Donc, voilà. Donc, tout a été purgé. Voilà, je vais commencer par les chaussures. Les enfants ont sélectionné les chaussures qu'ils portent encore. Et je vais mettre des paniers. Je vais mettre les chaussures dans les paniers. Chaque enfant aura son panier. Donc ça va faire en sorte que ce sera moins encombré. J'ai aussi décidé de séparer les boxes. Donc, dans chaque box, je vais mettre des écharpes, des bonnets, des gants, et chaque enfant a son box. Donc sur le banc, je vais mettre ce grand coussin et je vais le recouvrir de cette housse. En fait, c'est un pagne Houdin. C'est une amie à moi qui m'a offert. Et donc je vais recouvrir toute la surface de ce coussin. Voilà, je vais placer les coussins sur ce coin du banc
et ça donne une jolie touche africaine. Et sur les porte-manteaux, je vais accrocher quelques objets, une écharpe, un bonnet, des manteaux. Donc pour compléter la partie supérieure des étagères, je vais prendre ces deux paniers. Là, je vais mettre leur combinaison de neige. Pour compléter, je vais mettre ce tapis qui nous sert à s'essuyer les pieds.